Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans un nouvel épisode de Borderlands 3 et on va continuer avec cette petite quête secondaire les potes. On avait réussi à récupérer la carte, il faut aller parler à Lilith pour la quête principale, mais on a une petite quête ici, c'est dans ta tête. C'est une tête dans un bocal et c'est loin d'être le truc le plus étrange que vous ayez vu aujourd'hui. Meilleur potesse. Ok, let's go, c'est parti. Récupérons donc la tête. En réalité virtuelle. Ok, il faut aller où? Là exactement, on l'a déjà récupéré. Faut aller où exactement? Faut aller loin, hein. Faut aller loin, ouais, faut aller loin. Il n'y a pas de clé de caisse, alors il va falloir qu'on se téléporte. Hein. On va s'emmerder. On va se téléporter. Les deux missions ne sont pas dans cette zone? Les deux missions ne sont pas dans cette zone. Ok. Vue orbitale alors. Comment on fait vue orbitale? On appuie sur X, je crois. X quand on est à la carte. X. Donc là on a les étendues arides, on a une quête. Falaise de l'attention. Passage de l'alliance. Blédor, parler à Vought. Ah mais j'ai quand même des quêtes à faire, c'est dans la tête. Ah oui parce que c'était parler à Lilith que j'avais de taguer. Donc il faut que j'aille là en fait. Ouais bon je peux y aller à pied quoi. Je peux y aller à pied mais il va y avoir v'là les fights. Parce qu'ils ont tout repop bien évidemment les mecs. Désolé mon gars, mais je vais te défoncer. F. Va falloir tuer du madame les potes. Mais j'ai beaucoup de points à attribuer, on va le faire. Je pense que je dois avoir pas mal de points à attribuer. C'est bon, ils sont de l'autre côté les mecs. Allons-y. Oh, il y a une tourelle, ça c'est chiant. Une tourelle, ça fait mal. Oh, il est mort. Ouf, dans la tête, ça fait mal. Attention, je suis en train de crever quand même. On va attendre de régén. Tranquillou bilou. Et on repart au combat. Plus de balles. Je passe à mon petit gun. Mon petit gun des familles, mon petit gun sniper. Bonjour toi petite merde. C'est la mort qui m'a assassiné Mathia. Allez hop, let's go. Hop. Bonjour messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Une petite balle dans la gueule. Ah, j'arrive pas à viser. C'est bon, c'est fait. Le training AIM. Hop hop hop. C'est parti à l'attaque. Poum, poum, poum. Poum, 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 poum. Je suis pas très habitué à cette sensi quand même. Hein. C'est vrai que ça fait bizarre de passer de paladin à celle-là. J'arrive pas exactement à avoir la même sensi. C'est du shield ça, pourquoi j'arrive pas à le ramasser? Dégrasse. C'est parti. Bah, c'est bien de faire le chemin inverse. C'est bien, ça fait XP. Hein. Level 9. Ils sont level 7 nos ennemis. Donc on est bien en termes de level. C'est bien les potes. Je suis mouru. Il en reste un, mais je sais pas si je le tue, sauf si je le vois. Et il fait pas si mal que ça dans la tête. Hein. En fait, vaut mieux. Ça, j'ai l'impression que ça fait plus mal. Ouais.
Ça fait plus mal quand on s'en sert comme un revolver, quoi. Hop, une balle dans le cul. Une arme 128, ouais, bon, de toute façon, on n'aura pas d'arme extraordinaire, je pense. L'autre là. Allez, let's go. C'est bon. Cette partie-là, on va pouvoir partir à une autre mission. Ça, je sais pas trop ce que c'est à chaque fois. Dépensez vos points en appuyant sur tab. Et oui, j'ai des points, les potes. J'en ai même deux. Comment vous m'avez dit qu'on peut reset? Gérer l'équipement, fermer, tab. Comment on peut reset le truc? Si je voudrais recommencer tout à zéro. What? Je suis allé dans quoi, là? Revenez ici après avoir terminé toutes les missions du mode histoire pour d'autres récompenses. Ah oui, d'accord, oui, bon, c'est pas tout de suite, quoi. C'est pas tout de suite. Donc là, on a la possibilité d'aller chercher. Compétence d'élimination. Quand Kane tue un ennemi, son digiclone et lui profite de dégâts des armes améliorées et d'une régénération de santé pendant quelques secondes. 0,5 santé maximale. 0,5 de santé manquante. Dégâts des armes plus 3%. Si le digiclone envoie une copie d'un mode grenade actuel, le Zane, à sa première activation, si le digiclone est tué, il abandonne une grenade en plus. Compétence divination, tue un ennemi tandis que le digiclone est actif, offre un drone, un clone, une probabilité de lancer une grenade de plus. Et le premier coup tiré par l'arme de Zane est d'une chance de tirer une grenade simultanément. On va prendre ça, allez hop. On va prendre ça, je trouve ça bien. C'est parti, j'ai mon gun. Là, le claptrap, on l'a déjà récupéré. Merde. Chemin du sacrifice, entrée de la zone. On est parti. Let's go. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là? Eric Odal. On est bon. C'est là. Bonjour. Là, c'est... Ah. Ah, on est dans une simulation, génial. Ok, d'accord, donc on peut la faire sur une. Ok, d'accord, c'est parti, premier souvenir. Bonjour. On est dans la matrice, les potes. Je suis Néo. Bonjour. Mort. Oh merde, il y avait un corps à corps sur moi. Ouais, tu dégages là. Je suis Néo, mais je suis également Wolverine un peu. Décidément, ce gun, je m'en lasserai jamais. What? Tu crames le cul, tu te crames le cul, mon pote. Au revoir. Hop, on récupère une autre carte. Attends, je prends la patate, je prends un truc, pousse. Beaucoup plus de balles, c'est plus intéressant. T'as une arme chelou, toi. Ils sont level 8, les mecs. Je sais, je suis nul en visée. Oh là là, on dirait Iker sur Paladin, au secours, arrêtez-le. Eh, mais c'est ça, mais moi je suis le roi du Colt. Qu'est-ce que vous voulez, moi? Je sais me battre qu'avec un Colt. Ouf. Eh, tu t'enfuis? Mais c'est pas bien de s'enfuir. Ça glace les couilles! Continuons. J'arrive. J'ai beaucoup de balles sur cette arme, donc y a pas de soucis. J'arrive, les potes! C'est vrai que je devrais peut-être lui. Il est plus proche que les autres.
pour les coups à ma place, le double. Merci. Ah bah y'a des mecs des deux côtés. Mais bon. Encore un avion. J'y vais à l'attaque. Grenade. Attention. C'est bon. Grenade esquivée. Je peux monter. Il en reste un. Ouais non, trop lent. Trop lent mon gars. Boum. Facile ouais en effet. Un petit coup de chiotte. Oh, 147. Permet d'alterner entre dégâts électriques et dégâts corrosifs, c'est pas mal. Et un pompe 128. Ouais, 128 c'est pas énorme. Après s'il aime bien le pompe, on va essayer de le mettre. À la place de... C'est celui-là, on va essayer à la place de celui-là. Le Colt, je le garde. Le Colt, je suis un fan de ce Colt. J'aimerais bien en retrouver un autre d'ailleurs. Un plus fort, mais bon. Je sais que ça fait 3 fois que j'explore la zone, mais j'aime bien. Je me dis que c'est peut-être parce que c'est une simulation, ça va être différent. Là, c'est bien, on peut récupérer les munis. En appuyant sur A. Allez, c'est parti. Récupérons un peu de thunes. C'est là. C'est dans la tête. Aïe 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 aïe! Il en prend plein la gueule, j'espère qu'il n'entend pas. C'est bon, je suis full life, on est bon. En fait, ici, il faut faire venir avec la quête. Ah bah non, on peut pas avoir la quête avant. Bah non, on peut pas avoir la quête avant puisqu'on l'a toute à la fin. Donc c'est normal en fait. Ah bah oui, vachement, t'as raison. En tout cas, elle a l'air de beaucoup t'apprécier. Je me planque. Je récupère des munis. Vous êtes beaucoup, là. Grenade ! Ah, il y a la tourelle qui est chiante. Soyons malins. Tournons les gars dans l'ordre. J'arrive. Grenade! Mais bon, je suis trop loin de la grenade. Pas de soucis. C'est bon, j'ai détruit la tourelle. Avec la simulation, des fois, on voit pas vraiment les gens. Alors lui, je trouve qu'il est la même couleur que le sol. Donc on voit pas. Ah, mais genre, il y a un nain là! Mais je l'avais pas vu, putain! Allez, plus qu'un. Allez, on se le fait avec le corps à cœur. Ouah, c'était stylé. Dommage que j'ai rasé la balle. C'était stylé. Dommage que j'ai rasé la balle. Ok, on est bon. On a tout fait. 137. J'aurais pu utiliser ma nouvelle arme. D'accord, c'est un fusil qui se charge. C'est tellement chelou, ce genre d'arme. Allez, viens là. Non, je peux pas partir. Il va encore m'arracher les bras. Ça fait super mal, même si ça pousse. J'y comprends rien. Mais ça fait déjà.
On va voir si c'est bien ce gun. Je trouve que c'est nul à chier comme arme. Je retourne sur mon pistolet. Non, je vais crever. Ok. On se planque. Font les petits d'abord, ça restera plus que le gros, ça sera plus facile. Oh, il a pris un gros crit dans sa gueule. Ah, c'est lui qui met de la glace. Faut que je lui détruise son bouclier. Voir si l'arme elle est bien campée. Ça a l'air d'être pas mal contre lui. Non, ça fait zéro dégâts, je vais crever. Comment on crit, bien, il y avait le 9. Tu vas mourir cette fois-ci, tu mourras pas. Putain, il est tanky, hein. Un mini boss quoi. Voir, il me fait plus chier que l'autre boss. C'est bon. Chauduc. Souviens pas, on a voulu faire une fête surprise pour ton anniversaire. Et ça a super mal tourné. T'inquiète, je vais te faire sortir de là, t'inquiète pas. Allez, c'est parti! Putain, j'ai galéré contre ce truc, limite autant que le boss, quoi. Bien fait galérer le truc. J'arrive, je te suis. Je cherche juste de la life, là, parce que j'ai pas de PV. Merci. Allez, let's go. En même temps, le truc est level 9, je suis level 4. Quitter la simulation, ouais, donc c'est bon, on a fait toute la quête en entier. Essaye de faire les quêtes en entier à chaque fois. Bon, c'est sacrément une arme de merde, on est d'accord, les potes, hein. 138, 14 de dégâts, 32 de dégâts. Ça, c'est un Colt encore. Ah, ça, c'est mon Colt, je suis con. C'est mon Colt, ça. C'est juste que je l'ai déséquipé comme un idiot. Et la nouvelle arme, c'est une arme grise. Ouais, donc on va pas la garder. On va prendre une... on va remettre celle-là. Allez, hop, c'est reparti. On est reparti, on change rien. On change rien à notre combo gagnant pour le moment. Ok, on continue. On est parti par où? Merde. Je l'ai paumé. Elle est partie par là, je pense. Elle nous attend pas en plus. Oh, c'est vraiment cassé quoi. Hop, pas tranquillou. Est-ce qu'il faut se téléporter? Non, quitter la simulation, je pense qu'il faut pas se téléporter. Ouais, il faut retourner là. Ok, bon, on y retourne. C'est parti! On va quitter la matrice. On s'en est bien sorti, je suis content. Tranquille ou bilou. Et on a continué un petit peu le lore du jeu, que je découvre bien sûr. J'aime beaucoup. J'espère que vous kiffez ce let's play. Moi j'aime beaucoup jouer à ce jeu. Si la visée est pas forcément trop au rendez-vous, on est quand même content. Faut vraiment que j'arrive à trouver un moyen pour avoir exactement la même sensi que Paladin, mais j'ai pas exactement la même, elle ressemble hein, bien sûr. Ça ressemble beaucoup, mais je pense que j'ai trop de sensi d'ailleurs. Faudrait que je mette cette sensi là dans Paladin. Ça me permettrait de jouer des persos comme Illimi plus facile. Bonjour! Alors là, j'ai pas compris. Comment ta tête peut être encore dessus? Peut être encore dedans si ta tête est là? Bon. C'est un robot quoi. Ils sont cinglés chez les DDA. On a voulu les rejoindre, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est nous tuer et nous torturer. Eh oui. J'ai bien peur de devoir être assez brutal avec toi. Dans cet ordre. T'as intérêt à me faire au moins 100 points.
Amish, alors. Tiens. J'ai piqué cette arme quand on était dans cette prison numérique sans fin. Je te la donne. Elle est à toi. Ok, c'est un peu bizarre. Mais non. J'ai obtenu une arme. Qui est où? Qui est pas dans le F4, c'est pas ça? Qui est là, non? Ouais, mais là vous voyez des trucs de spoil, hein, attention. Bon allez, on a récupéré des trucs, c'est bon, tranquillou bilou, il faut aller discuter à Vaughn. Donc c'est Mollet d'or qu'il faut que je fasse. Et on est bon. Et Mollet d'or, normalement c'est dans la zone, on est d'accord. C'est dans cette zone là, Mollet d'or. Ah non, faut aller, on peut se téléporter. Falaise de l'Ascension, voyage éclair. Falaise de l'Ascension. Et boum! Ouais, j'ai appris à me téléporter, les gars. Je suis devenu Sangoku. Ah, exactement. Hop, tac, hop, hop là. Donc là, on est sûr. On a fini cette zone. On a fini cette zone car vous le voyez, nous n'avons plus de quête secondaire, plus de points d'interrogation sur la map. Peut-être qu'il y a des trucs secrets à débloquer, le dernier claptrap, parce que je crois qu'on en a trouvé que deux. Mais vous le voyez, nous n'avons plus rien à faire ici. On a un claptrap là. Ah non, enregistrement du typhon. Le claptrap, il y en a un là. Et les autres, on sait pas trop où ils sont. Je crois qu'on en a trouvé deux. Deux claptrap, mais il en manque un, il y en a trois par zone. Et l'enregistrement du typhon. Il y en a trois qui permet de débloquer un méga coffre dans chaque zone. Enfin, en tout cas, on était tombé sur l'endroit où il y avait le méga coffre, mais je crois qu'on n'avait pas réussi à l'ouvrir. Et bah, c'est pas de bol. C'est ballot. Je pense qu'il ne faut pas trop faire ça dans un let's play parce que sinon, ça prend 3 siècles. Et c'est pas forcément très intéressant. On va faire les quêtes secondaires et la quête principale, ce qu'on voit assez facilement. Avec la trappe, on prendra ce qu'on trouvera. Et puis, voilà. Alors ici on a une quête là, on peut également se téléporter, mais ce que j'ai envie de faire c'est le mollet d'or d'abord. Donc Vaughn il est là-bas, ok, donc c'est étendu des... non c'est l'autre, étendu aride. Et là pareil on appuie sur E une nouvelle fois, étendu aride, et on appuie sur E et normalement on se téléporte. Là-bas aussi ça permet d'éviter de se taper à chaque fois le chemin. Bon c'est bien quand il y a le chemin, quand il y a des quêtes etc, mais sinon on se téléportera, ça permettra... d'aller plus vite. Alors à chaque fois je me rappelle jamais comment on va dans ce bâtiment. Oui c'est par l'escalier qui est là. Et c'est bon, donc on a Vaughn à parler. Merci chasseur des larges. T'as réalisé mon rêve. Eh oui. Tout le monde devrait avoir sa propre figurine en or, hein, papa. Ne peut pas déprimer des DDA aujourd'hui, les gars. Ils vont voir ce qu'on vient de faire. Ils vont comprendre qui c'est les boss. Ah ça ouais. Et bon. Mais là, on est tous éparpillés dans la galaxie. Bon alors, t'as vraiment la carte? Oui, j'ai la carte. Évidemment que je l'ai, Foucault Ardent. J'arrive toujours à mes fins. Tu peux m'appeler Lilith. T'as la carte? Super! Alors, est-ce que t'as croisé mes éclipseurs? Et pourquoi tu sens la poussière et la peau? Exterminé, jusqu'au dernier. Par Tyrin Calypso. Mes éclipseurs, ne pleure jamais. Non, non, les éclipseurs ne pleurent jamais. Si Tyrin Calypso veut une putain de guerre, elle va l'avoir. C'est la guerre. Je savais que les descendants étaient dangereux, mais c'est encore pire que ça. Iboum. Au moins, t'as trouvé la carte. Level 10. On a pu revoir cette carte un jour, mais c'est plus qu'une simple carte. On s'en est servi pour ouvrir les autres arches. Les arches ont besoin d'une clé. Bon, on va jeter un œil. Ça fait longtemps. Bon, allez, on met un point là. Hop. Elle est pas chargée. Attends, je m'en occupe. Faudra que je change ma spé d'ailleurs. Ça marche pas. Merde. C'est pas normal. Je devrais pouvoir la charger. On a besoin d'aide. Il y a qu'une personne sur cette planète qui comprend la technologie héridienne. Patricia Tanis. Elle a un site de fouilles de l'autre côté de la vallée. À
Apporte-lui la carte. Ok, on va aller voir Tanis. C'est... Pas de soucis. Hop. Alors, bah aller au site de fouille Eridienne, machin truc bidule, ce qui est là-bas. Donc c'est nickel, il n'y a plus de quêtes primaires à faire, plus de quêtes secondaires à faire, donc on peut foncer et récupérer et la mission. Alors, bah Q, hein, hop. C'est parti! Bon, cette zone-là, elle est bas level, hein. Je pense pas qu'il faut trop taper. Ah, il y a Tyrin. La chieuse. Moi, je suis une déesse, eh ben, dis donc. C'est par là! C'est par là. Ah, il s'est coupé les deux, putain. Ok, c'est parti. On va réparer ta carte, mais t'inquiète, après, on te la donnera pas. Bonjour, j'arrive. Oh, il y a un bidon d'explosif là. Ça pue le fight. Ça, vous sentez? Ça pue les bandits. Bonjour. Bonjour. Ouais, moi aussi j'aime bien l'archéologie. J'aime bien fouiller. Tenez. Ok. Bah j'avais déjà commencé. Ah, Tyrin, c'est une sirène. Aïe. Les jumeaux, donc. Oh, il y a des bandits qui arrivent. Je l'avais dit, c'est un tracteur. Je suis l'habitude. Mais on va voir les conneries, c'est toi, mon gars. On va te rembarrer. Qui a dit que c'est moi qui allais mourir? Vas-y Lilith. Bonjour. T'inquiète, pour le moment c'est au poil. T'inquiète, ils prendront pas la carte. Je suis le faux. Ok, tire sur l'autre. Merci. Prends pour qui toi, les gars? Ouf.
Bonjour Lilith. Merci. T'arrives un peu tard. C'est dégueulasse toi. T'inquiète. J'utilise mon double Lilith, y'a pas de soucis. Merde, c'est Lilith. Ah oui, encore. Faut mettre des couches, madame, si vous avez vraiment un problème. Hein. Ouais. Salut, comment ça va? Bonjour, je m'appelle Iker. Ah, tu es mort. Facile. What? C'est bon. On dirait un viewer de la Iker TV qui parle. Mon intellect. Pardon. Certaines données sont corrompues. Il semblerait que la carte ait subi d'importants dégâts. Hypothèse, Tyrin Calypso a tenté de charger la carte, mais ses pouvoirs n'ont fait que la vider un peu plus. Ah. Malheureusement, je ne discerne qu'une seule planète. Volonté ? Bien sûr ! C'est là que Typhon de Léon a trouvé la toute première arche, vous savez. Prométhée. Bon travail, Thanis. Donc, en route pour Prométhée ? On dirait bien. Il faut qu'on trouve cette arche avant les Calypso. Ellie nous a préparé un vaisseau. Je m'occupe d'y emmener Thanis et la carte. On se retrouve sur la plateforme, chasseur de l'arche. Bien. Oh, vous savez que j'ai horreur de ça, Lilith. J'essaie juste de protéger mon expert, le Méridien. Vous en connaissez peut-être. On est prêts ? Let's go ! Ah, ils ont pris la clé. Ils ont pris la clé, donc tout va bien. Ici, on a un truc, écrit iridien, déchiffrer l'écrit iridien, récompense 25 machins. Bon, on y va. Je sais pas trop ce que c'est que ce truc, mais on y va. Comment on y va déjà, surtout C'est en bas? Ouais, c'est en bas. Inspecter. C'est chez ce cours-là. Rejoindre le vaisseau. Bah, inspecter, ça marche absolument pas. De réviser mes cours d'alien à la con. D'accord, donc je sais pas en fait. C'est ça. Je suis trop con. Apparemment, je suis trop con, les potes. Je peux rien y faire. Ok. Ok, bah, je suis un peu trop con. Je pensais que ça allait. Je pensais qu'il allait avoir un truc à faire, mais apparemment, trop con. Trop con, le Iker. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah, on a fait tout ce qu'on a pu dans cette zone. Il reste plus qu'à se téléporter. On a notre caisse qui est là. Et on doit retourner rejoindre le vaisseau dans la cale des pillards. Ah, ok. Donc, on doit finalement partir par là. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. On va juste se mettre devant le vaisseau. Et après, on partira. Oh! Et toutes les arches me reviennent de Troie. T'as pas la moindre idée de ce que sont les arches ou de ce qu'elles font. Moi, si. On est les descendants de l'arche. C'est une histoire de famille. Ok, ok. Je m'en fous. Let's go, c'est parti. C'est par là. C'est par là, a priori. Ok, et ben on va s'arrêter là et on se retrouve dans le prochain épisode direction Prométhée pour aller tout simplement continuer à découvrir les clés de l'arche, tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à dans 2 jours pour le prochain épisode, j'espère que vous l'aurez apprécié. S'il y a quelqu'un qui peut me dire comment on se respé, n'hésitez pas, parce que je ne sais pas trop comment on se respé. J'aimerais bien me respé et retenter quelque chose au niveau du tab, et de tenter, même si le double c'est intéressant, c'est une mécanique qui...
Finalement, n'est pas ouf, même si c'est sans doute une des meilleures façons de jouer quand on est face à un boss. Par exemple, on claque le double et le double prend l'aggro, donc c'est quand même intéressant. Après, il y a quand même déploie un drone qui vole dans la zone et attaque les ennemis à l'aide de ses mitrailleuses. Ça, c'est intéressant parce que en appuyant sur F ou G, quand ST1 est actif, le drone attaque l'ennemi qui se trouve dans le viseur de Zane. Donc ça c'est plutôt cool, on peut faire choisir de voir ce qu'il attaque. Et puis le bouclier, c'est intéressant, la barrière, parce que ça permet vraiment de tenir. Temps de latence 24 secondes et durée 14. Donc en gros, il y a seulement 10 secondes où t'as pas le bouclier. Sachant que si tu prends le 25% de CDR sur le truc comme j'ai là sur mon petit truc là, parce que je le rappelle que j'utilise toujours cette carte compétence là, moins de 5% de délai de recharge. Ah mais c'est ça, moins 25% de délai de recharge, c'est sur ma compétence ou pas? Ça, je sais pas trop. J'ai l'impression que oui. Ou alors c'est sur la recharge du bouclier, peut-être. Faudrait essayer de voir si c'est sur ça. Je sais pas vraiment. Oh, on a récupéré une tête de vagabond. C'est joli, c'est classe. On a récupéré. Comment je peux inverser ça? Et ça. Ah, j'ai réussi. Donc là, par exemple, j'utilise mon drone. Mon drone disparaît. Combien il va y avoir de délai entre la fin de mon drone et la récupération? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un délai qui est très 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 court quand j'ai mon bouclier. Mais ça se trouve, c'était de base que c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'ai l'impression que c'est largement réduit hein, quand j'ai le bouclier. Donc c'est bien ça qui réduit. C'est vachement fort en fait. Donc là, on va le faire. Mais j'ai l'impression, on va refaire le F quand je pourrai. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus court. Donc c'est vraiment ça quoi. Ah oui, c'est vachement long alors que j'ai l'impression que d'habitude c'est beaucoup plus court. On va voir. Donc c'est bien ça, c'est pas rédiminution d'un bouclier ou quelque chose comme ça. Hop, je peux me changer, me téléporter. Et donc là, on va voir si ça monte plus vite. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Non, j'ai l'impression que ça change rien. C'est toujours aussi lent. Bon, et bah a priori ça se bidouille pas là-dessus. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant pour comment on se respect. J'aimerais bien tenter l'aspect bouclier, je pense. L'aspect bouclier me plaît pas mal. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à dans 2 jours pour la suite de Borderlands 3. Ciao!